de la visite du Premier ministre dans la région de Gao, Choguel Kokala Maïga tire un bilan très positif de sa présence au regard de la qualité des échanges avec les populations. Il est au micro de Alousseini Touré. La façon dont nous avons été accueillis à Gao a montré à plus d'un que les populations de Gao et en général du Nord soutiennent à bout de bras, à 100%, les autorités de la transition. On ne peut pas aujourd'hui différencier les autorités. Vous avez le président de la transition, le gouvernement qu'il préside. Vous avez un chef de gouvernement et les membres de son gouvernement. Vous avez une assemblée législative transitoire qui s'appelle le Conseil national de transition. C'est l'ensemble avec d'autres institutions et toute la population qui font les institutions de la transition. Gao a montré à la face du monde entier qu'elle est 100% avec les autorités de la transition, qu'elle soutient la réussite des autorités de la transition. Et je vous ai dit hier, je termine par ça. Tout soutien que vous apportez à la transition doit commencer du point zéro par un soutien inconditionnel de tous les instants, de tous les lieux aux forces armées de sécurité. Nous sommes réunis aujourd'hui, nous n'avons pas peur, parce qu'il y a des hommes qui se sacrifient, qui nous gardent. Notre force, c'est la force de notre armée. Aussi longtemps que l'armée sera forte, nous serons forts. C'est pour cela que je suis venu ici, pour saluer les imams devant le monde entier. Saluer l'imam Alpha Omar. Saluer mes deux frères qui ont insisté sur recommandation de l'imam que je vienne vous saluer. Et je me suis rendu compte que nous ne sommes pas trompés. اللهم أنت حسبنا لحياتنا اللهم أنت حسبنا لمماتنا اللهم أنت حسبنا يوم مماتنا اللهم أنت حسبنا ساعة مماتنا اللهم أنت حسبنا يا رب العالمين أمام منكر ونكير وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم أنت حسبنا في البرزخ اللهم أنت حسبنا في البرزخ اللهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين